y a des tueurs dans le coupé décalé. Hein. Oh, c'est dans les films, on voit, on entend tueur à gage, tueur à gage. Mais ici, c'est pas tueur à gage. Ici, là. C'est la sorcellerie. Voilà, nous, c'est comme ça, nous, on appelle ça. Nous, on n'appelle pas ça tueur à gage. Donc, à tous les fanatiques de Didier Arafat, vous qui êtes déçus par rapport à ma réconciliation avec De Bordeaux, vous qui êtes déçus parce que De Bordeaux a insulté vos mères, vous qui êtes déçus parce que vous voyez le mal qu'on me fait, vous qui êtes énervés, vous qui avez la rage, tout ce qu'il y a à vous dire, je jure sur la tête de tous mes enfants. Je jure sur la tombe à mon père. Je jure sur ma carrière musicale. Et je jure que si mon album sort le 28, si les ennemis même se sont pas mis au respect, c'est-à-dire que si les ennemis eux-mêmes m'ont pas, c'est-à-dire qu'ils m'ont pas montré leur amour là, c'est que Dieu nous a pas créés. C'est que moi je chante plus. C'est qu'il arrête la musique. C'est qu'il change totalement mon extrait de naissance. C'est qu'il faut qu'on me remette dans le ventre de ma maman qui m'a mis au monde pour me récréer. Parce que ce qui va arriver, c'est pas de l'amusement. C'est pas quelqu'un qui a donné 10 dollars, c'est vous les fanatiques. C'est pas quelqu'un qui a donné 10 de diamants, c'est vous les fanatiques. C'est vos responsabilités. Vous êtes fan. Donc quand vous allez écouter l'album, quand un son te frappe, quoi, au lieu de te rester caché chez toi pour dire que non, quoi. Non! Achète l'album. Les pirateurs, il n'y a pas de problème avec vous. Vous piratez pour pouvoir vivre. Vous piratez pour pouvoir manger, il n'y a pas de travail au pays. Mais il n'y a pas de travail en Afrique, on va dire. Pirater ça dans la loi. Ça veut dire que quand tu pirates ça, là, c'est que toi-même en esprit, tu as acheté, non. Et puis maintenant, tu entends ça. Mais pas pirater, pas un frère, ça t'a donné le CD. C'est que tu es un maudit. Tout fan qui, au lieu d'acheter l'album, va pirater ou même dit que non, pour m'envoyer par WhatsApp, même par Google, tu es maudit. C'est que tu n'aimes pas ton artiste. Parce que c'est en achetant, en écoutant sur les sites de téléchargement que le nombre d'écoutes, le nombre de fois que tu as écouté là, c'est là que maintenant on dit que bon, y'aura, ok, bon, arrivé à ce niveau-là, bon, ok, t'as 10 d'or. Mais si tu dois pirater le mouvement pour dire que non, t'as allé vendre son coco vico, mais dans les rôles bizarres, dans les mouvements bizarres, mais c'est que tu es un maudit, c'est que toi, t'es pas un fan. Toi, t'es venu pour tuer ton artiste. Et l'objectif, c'est que DJ Arafat, autant pour moi, le Daichi, c'est qu'il puisse ramener le premier Dix d'or, le premier vrai Dix d'or coupé décalé. Normalement, ça veut dire que tous mes frères, ça même qui font le coupé décalé, ça veut dire tous mes collègues, même, en esprit, même là, mais vous devez vous concentrer derrière cet album pour que Arafat puisse ramener ce Dix en Côte d'Ivoire. Le coupé décalé, pour sa première fois depuis toute saga qui a créé son mouvement, c'est maintenant on a eu Dix d'or. Ou basé sur quoi? C'est des artistes qui font bruit pendant un moment, puis vont disparaître trois fois. Mais ces artistes-là, écoutez, vous avez un chemin, vous avez une carrière à suivre. Si vous voulez toujours Jafoul, si vous voulez toujours faire plaisir aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes. Soyez meilleurs amis au chef du village et non aux notables. Ou en écoutant les notables. Voyez, ceux qui vous font croire qu'ils sont boss, au fait, ils sont personne. Ils sont pas quelque chose. Même Brouté, même on dit que non, tu es un petit Brouté, tu es un petit Dabogo, tu te cherches jusqu'à aujourd'hui dans ton art. Tu es mieux que ceux qui vous font croire qu'ils sont les boss du coupé décalé. Ils sont personne. Ils n'ont rien du tout. Ils sont juste des profiteurs. Ils profitent du game, ils profitent de la nouvelle génération parce que la nouvelle génération a peur de ces personnes. Mais ils sont personne. Vous avez tout dit, il y a eu peur d'une seule personne. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. D-I-E-U. D-A-M majuscule. Le coupé décalé est une jungle. Le coupé décalé est une jungle. Le coupé décalé est une forêt. Ou non? Voilà tous les êtres vivants. Ou c'est manger. Ou être mangé. Ou c'est s'imposer. Ou y laisser la vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous mentir. Hein? Le lâche n'a pas sa place dans le coupé décalé. Ceux qui crient pour toi aujourd'hui te lanceront des pierres plus tard. Mais nous, on crie pour nous depuis 17 ans.
On nous lance des pierres, on marche dessus, on insulte nos mères, on insulte comme tes parents, même qui ont rien à voir avec la musique, depuis 17 ans. Donc pour traverser 17 ans, pour éteindre 17 ans. Non, je ne sais pas comment tu as fait. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça fout mes fans maintenant qu'ils parlent. Soyez prêts comme jamais. Parce qu'ils vont attaquer au maximum. Regardez juste ce que les pages ivoiriennes. Regardez ce que juste les pages ivoiriennes font. Ça vous ouvre les yeux. Ça vous montre déjà l'aigreur, la haine. Mais les gars m'ont dit, ah, peut-être même déposer mon cercueil. Non, hein. Il y a d'autres qui sont dans un mouvement là, ils ont du cercueil. Hein. Pour jamais moi, je dis, mais regardez, je vous dis, hein. Même toi, même quelque chose qui t'a envoûté ton ami, mais tu t'en fais un mouvement pour les gars là. Tu es un être humain, tu lâches, tu chies, tu respires. Comment tu es vilain, tu es beau, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, tout ce que moi, je sais là, moi, je sais que non. Hein. Nous tous sommes partis un jour. Tu es sorcier, mais tu as parti un jour. Quand je dis, mais tu as frère, c'est pas musulman. Mais toi, toute ta sorcellerie collée, tu as pas. Tu es milliardaire, tu es milliardaire. On a carré que tu as l'air de toute la terre. Tout ce que moi, je sais là, il n'y a pas de problème. Je sais que tu as mouru comme moi. Tu as pas. Et puis tu vas aller régler. Ta mission, c'est de l'aider Dieu. Moi, je vois plus que loin. Moi, je m'en fous de toutes les injustices. Incitez-moi du premier jusqu'à l'année prochaine. Je m'en fous. Je fais ce qui vient dans ma tête. Je fais ce qui me plaît. Je vous écoute souvent. Et pour un peu trop même. Mais en même temps, là, sachez que vous avez votre vie. Et j'ai ma vie. Vous avez toujours dit ça. Dans votre travail, c'est-à-dire que toi, même si tu es menuisier, tu es plombier, tu es DG, tu travailles dans telle boîte de nuit, tu travailles dans telle société, tu travailles. Regarde, le moment où tu es fan d'Arafat, là, il faut savoir que tu es un être humain. Arafat aussi, c'est un être humain. Voilà, il a sa vie. Il a sa vie. Vous comprenez un peu, non? J'ai une vie. Voilà, j'ai un cœur comme vous. Donc, quand la rage monte, là, là c'est ce qui est arrivé quand il pète un câble, il dit, bon, ok, d'accord, envoyez une bombe nucléaire, là, maintenant, je suis. Bah! C'est-à-dire, quand l'album va sortir, si tu dis que toi, tu es chanteur, c'est dire que toi t'es l'homme. C'est dire que toi pas l'homme. Bab, bien, petit. C'est que tu entends là. Si t'es un sorcier, tes tympans m'ont sorti pour danser l'album. Non. Puis ça revient dans ton tympan. Non. Puis ça ressort encore. Puis tu dis non, on préfère aller dans l'oreille de l'Europe. Et toi là, ton oreille là. Pas bon. Tu es maudit. Il n'y aura pas l'homme. Tous les sons qu'il a fait sortir, puis vous avez parlé là. Non, c'était juste pour égayer. Mes fans qui kiffent le coupé décalé, sinon moi à la base là. Sinon moi à l'air là, il n'y a pas de la base. Sinon moi à l'air là, ici dans une autre gare. Ici dans le Tufu, ici loin. C'est un coin que vous ne connaissez pas encore. C'est moi aussi en 2031. Moi aussi loin. Soyez prêts. Soyez prêts. Parce que l'homme que vous avez créé à l'air là, c'est pas bon. Il est juste ici. Hein? C'est que mon vieux mort, hein, mais il est juste la tête à ma maman qui m'a mis au monde. Ça que je vais vous montrer. J'aime mon nom. Moi, voilà, plantain, voyez-moi toujours en plantain. Moi, voilà, voyez-moi toujours en eux. C'est mon style, c'est quoi je suis. Mais ça fait combien d'années? Non, il va tomber, il tombe pas. Ça peut pas. Ça va pouvoir lorsqu'il va dire Dieu. Dieu va dire, autant pour moi, ok, non, là, c'est bon. Sinon, là, conspirer. Au fait, c'est maintenant le film pour nous commence. Aïe, album de 4 ans, on a gardé jusqu'à on a mis des nouveaux morceaux dedans. On vous envoie les pétitions pour vous engager. Non, que quoi, c'est. Ok. Moi, c'est quand je suis dans cette période-là que c'est pas bon. Non, parce qu'au fait, vous croyez que vous êtes en train de m'énerver. Vous croyez que vous êtes en train de m'énerver. Vous croyez que vous êtes en train de me conscientiser en me disant que je suis fini. Ouais, il ne faut rien. Non, maintenant, c'est comme ça. C'est le temps. Ok. Au fait, vous ne faites que détruire lui, que c'est son temps, au fait. D'après vous. Rendez-vous le 28. Quand on dit minuit 00, faut aller sur iTunes, faut aller sur Spotify, faut aller sur Amazon, faut aller sur Deezer, faut aller sur tous les sites de téléchargement. Parce que si tu penses que tu es allé sur YouTube pour avoir un album gratuit, tu mens. Si tu penses que tu es allé sur un mouvement de gratuit, tu mens. Tu peux payer, puis tu as, il a dit, toi le pirate, paye quand même pour montrer à l'artiste que non, tu es prêt pour lui. C'est pas cher. Paye, mais maintenant, si tu veux, il faut pirater. Ça, c'est toi qui vois. Si on t'a dit, c'est toi et tes voyances. Mais en tout cas, à tout le monde entier, ça vous y parle. Voyez ce direct là. C'est tellement tôt, on est 1204.
Vous avez créé un démon musical, au fait. Vous avez créé un démon musical. Quand il dit démon musical, c'est pas le côté Jean ici un démon, non. C'est-à-dire que vous avez créé un truc là où il y a donné l'autorisation, où j'ai mis une certaine pression à ma maison de Dix, qui est Universal Music, que c'était le moment de fracasser. Donc les sons qui arrivent, ce ne sont pas des sons. C'est un météorite qui arrive sur vous. Météorite qui arrive sur vous. C'est pas musique, hein? Non, c'est quoi musique? C'est un météorite qui arrive. C'est qui dans l'espace? C'est une planète. La planète Beacon Twin. Oui. Planète Beacon Twin. C'est-à-dire que quand tu es trop fort, on t'emmène à Beacon Twin. C'est une planète, ça n'existe pas. C'est pas encore dans. Même les blancs ne connaissent pas la planète Beacon Twin. Beacon Twin. Oui, c'est Beacon Twin. Ça n'existe pas. Eh, ma mère. Elle a 5 doigts. En voici. L'ensemble. Même mes ennemis qui me regardent en ce moment, même ceux qui croient qu'ils sont arrivés aujourd'hui, même ceux qui croient qu'ils sont les lasses aujourd'hui, sachez que les vieilles marmites ont toujours fait de très très bonnes sauces que les nouvelles marmites ne pourront jamais, jusqu'à toute leur vie, reproduire. On est ensemble. Rendez-vous le 28 décembre et rendez-vous le 29 décembre. Toutes catégories confondues, frais sans ou pas frais sans ou dans la musique ou non, tu es mon allié, pas mon allié ou ok, moi tu es mon alias, moi pas mon alias ou même, non, tu es ma. Non, il n'y a pas ça. Tout le monde dort. C'est la Chine qui entend. La Chine veut dire tous ceux qui sont fans de DJ Arafat dans le monde, c'est eux qui ont saigné cet album. Tu te dis fan, faut payer. Faut payer. Tu te dis fan, faut aller t'abonner au site de téléchargement, faut avoir une carte bleue. Ou écouter. Le nombre d'écoutes que tu as fait de l'album là, c'est tout ce qu'ils nous ont vu. Ça nous donnait Dick Store. Ce n'est pas les albums qui sont passés inaperçus, qu'ils ont annoncé, qu'ils ont fait. Ils n'ont rien pas eu 10 des. Attends, il dit quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu Dick Store même de chaîne pacotille trafiquée. Hein? Vous entendez, non, n'avez pas encore eu Dix d'or de pacotille trafiqué. On va dire chaîne Dix de pacotille trafiqué. N'ont pas encore eu ça. Nous, on va aller vous envoyer un Dix d'or de 131 milliards de carats. 131 milliards de carats. C'est même pas 18 carats, Dix d'or là. C'est Dix d'or de 131 milliards de carats. Mais ça va caratiser. Ciao. La guerre a commencé.